Voilà. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. C'est votre frère le Zoulou de Bogota. Grand-Marie, salut à toi depuis ta position. Fanta de la GD, salut à toi depuis ta position. Alexandra Oussou, depuis le grain de Yamoussoukro, salut à toi depuis ta position, mon très cher frère. J'espère que tu vas bien. Voilà. Cher frère, l'heure est grave. L'heure est grave parce que les révolutionnaires sont en train de revenir sur terre. Ahmed Daou le transitaire, salut à toi, mon jeune frère, depuis ta position. Fally Kou Sanogo, salam alaykoum à toi, mon petit frère. J'espère que tu vas bien. Voilà. Chers frères, comme vous le savez, hein, cette guerre qui est déclenchée entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Et j'ai dit le Mali et la Côte d'Ivoire d'abord. Et ensuite, celle qui est déclarée entre la France et le Mali. Adja Managbe Timité, salut à toi, ma très chère sœur, depuis ta position. J'espère que tu vas bien, ma petite sœur. Voilà. Comme c'était prévu, certains Maliens aujourd'hui qui ont compris que l'affaire devient très sérieuse ont commencé à demander aux autorités maliennes de négocier avec Air France. Ils demandent de négocier avec Air France parce que la situation commence à devenir un peu grave. Aujourd'hui, ils n'accusent pas la France, mais ils demandent aux autorités maliennes aujourd'hui de négocier avec Air France. Sako Daïfani, salut à toi depuis ta position. D'autres sont dans le doute aujourd'hui de perdre leur boulot. Parce que ce que beaucoup de personnes oublient, parmi ceux qui sont aujourd'hui au Mali, là, s'ils ont fait un mois, deux mois là-bas, et qu'on ne les paye pas, parce que si toi tu négocies avec ton patron pour dire que, compte tenu de certaines situations, tu ne peux pas venir, il faut que tu expliques. Tu vas expliquer, on va te poser la question, mais il y a quel problème? Peut-être même que c'est maintenant là, ton patron va prendre le temps d'aller écouter France 24 pour savoir il y a quel problème. Et quand il va se rendre compte que toi, ton pays d'où tu viens là, lui te traite bien, c'est lui qui te paye. C'est vrai que tu travailles pour lui, mais il te paye là. Mais c'est dans toi, ton pays là, on ne veut pas voir les Français. C'est dans toi, ton pays là, on ne veut pas voir les Français là. C'est là maintenant il va commencer à te poser la question. Ah donc toi, tu es en France ici, tu travailles ici. Tes enfants sont ici. Et puis toi, dans ton pays, là, toi, tu ne peux pas voir les Français. Chers frères et sœurs, je vais vous expliquer un problème aujourd'hui, mais est-ce que beaucoup de personnes ont fait cette analyse? Ahmed H, salut à toi, mon très cher frère, depuis ta position. Sobo Palem, salut à toi. Chers frères et sœurs, l'État de Côte d'Ivoire, là, l'État de Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, les citoyens ivoiriens ne sont pas plus riches que l'État ivoirien. Écoutez bien mon raisonnement, vous allez comprendre. Les citoyens ivoiriens, tout ce qu'ils ont là, on met tout ensemble. Les citoyens ivoiriens ne sont pas plus riches que l'État ivoirien. Mais le Mali, là, les citoyens maliens ont plus d'argent que l'État malien. C'est là que vous devez comprendre. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que j'ai dit là, c'est vrai? Les citoyens maliens, là, ils ont plus d'argent que l'État malien. Chers frères et sœurs, est-ce que vous savez ce qui s'est passé au Nigeria? Est-ce que vous savez ce qui s'est passé au Nigeria concernant les Maliens? L'équipe de basket, l'équipe nationale de basket du Mali est partie au Nigeria. Est partie au Nigeria. Ils ont été mis dehors. Parce qu'ils n'ont pas payé la chambre d'hôtel. Ils n'ont pas payé hôtel. Il y a quelques jours de cela, on a vu des joueuses maliennes sortir, dire que leur prime de match qu'ils ont reçue, après avoir représenté le Mali, leur prime de match qu'ils ont reçue, leur prime de match qu'ils ont reçue, 2000 ou bien 3000.
L'équipe nationale du Mali, on les jette dehors parce qu'ils n'ont pas payé la chambre d'hôtel. Et c'est eux qui insultent les gens. Et c'est eux qui disent qu'ils sont des panafricains. J'ai écouté un discours, un message de Shogun Maïga. J'ai eu de la peine pour lui. J'ai eu de la peine pour le peuple malien. Voilà quelqu'un qui sort et qui dit que le prix du cacao, là, ça ne doit pas être jugé en France, mais ça doit être jugé à Abidjan. Mais c'est nous, on a notre cacao. Nous, on est libre de juger le prix où on veut. Toi, il faut t'occuper du problème des Maliens. Nous, notre café cacao, là, nous, on juge le prix où on veut. Toi, l'or du Mali, là, les matières premières du Mali, là, il faut d'abord penser à régler d'abord ses prix. Il faut laisser pour la Côte d'Ivoire. Il faut laisser pour la Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas ton problème. Merci beaucoup, Touré Karim. 1000 francs, prime de match. Prime de match, 1000 francs. Prime de match, 1000 francs. Une équipe nationale. Allez-y à Abobo. Je vais vous dire. Allez-y à Abobo. Allez-y au quartier Israël d'Abobo. À côté du quartier Gotham. Prenez ma photo. Déposez ça devant les gens. Le quartier qu'on appelle Israël là, à Abobo. Là. Le quartier qu'on appelle Libye. Là. Le quartier qu'on appelle Gotham. Le quartier qu'on appelle Bassamé. Là. Le quartier qu'on appelle Brésil. Là. Allez-y avec ma photo. Montrez ça aux gens de là-bas. Moi, j'avais équipe de Maracana à Abobo. J'avais des équipes de Maracana. Je n'ai jamais donné dans les années 94, 95, 96. Prime de match de mes petits, là, les enfants, je ne les ai jamais donné 1000 francs comme prime de match. Moi, je ne les ai jamais donné prime de match. Parce que à chaque fois que je parle, là, je dépose les faits. Je ne parle pas dans le hasard. Je vous donne le nom des quartiers. Allez-y là-bas. Allez-y au quartier Israël. Vous allez demander. Allez-y demander au quartier Gotham, au quartier Libye, au quartier Jarasta, au quartier Manhattan, au quartier Brésil. Allez-y là-bas, vous allez demander. Moi, dans les années 94, 95, 96, 98, je n'ai pas donné prime de match à des enfants qui jouaient Maracana pour moi. Je n'ai pas donné 1000 francs. Mon très cher frère, Kader Chérif, salut à toi. Je n'ai pas donné 1000 francs. Moi, un citoyen lambda en Côte d'Ivoire, équipe de Maracana, je n'ai pas donné 1000 francs. C'est eux là qui parlent. Il y a quelqu'un qui me dit ici qu'après leur qualification, chacun a reçu demi-million. 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 Je vous dis et je vous répète, quand je parle, je donne le nom des quartiers. Prenez ma photo, allez-y, et puis demandez, est-ce que vous connaissez ce monsieur-là? On ne peut pas trop parler, on préfère souvent se taire. Tu préfères souvent te taire. Moi, il y a des enfants qui ont joué dans mon équipe de Maracana, qui ont joué dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Ils sont en Europe ici, je n'ai jamais pris téléphone pour les appeler. Je m'assois ici, je dis les noms. Ils ont joué à la SEC d'Abidjan. Ils ont joué à l'Africa Sport d'Abidjan. Ils ont été capitaines. Ils sont vivants, ils ne sont pas encore morts. Quand je parle là, ils me voient. Quand je donne le nom des quartiers, là, quelqu'un qui ment là, il ne donne pas le nom des quartiers. Parce que si tu mens là, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, là, les gens vont sortir. Zulu, on est au quartier Israël. Les gens disent qu'ils ne te connaissent pas. On est au quartier Gotham. Ils disent qu'ils ne te connaissent pas. Je ne parle pas des enfants de maintenant. Hein. Je parle des doyens. Allez-y les demander. Des plaisantins comme ça, c'est vous qui allez venir parler devant les gens. Quand un pays, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Une année, il y avait la Coupe d'Afrique au Togo. Pour que l'équipe nationale du Mali parte là-bas, là, c'est Babani.
un Richard du Mali là qui était obligé de payer vos billets pour que vous. C'est lui qui était obligé de donner son avion privé à l'équipe nationale du Mali parce qu'il n'y avait même pas de transport. Vous allez venir nous parler de quoi? Toi, Chegal Maïga, tu vas venir parler du prix du cacao. Non, ce n'est pas ce qui intéresse les Maliens. Comment les Ivoiriens vendent leur cacao là? Ce n'est pas ce qui intéresse les Maliens. Comment ils vendent leurs bananes là? Ça n'intéresse pas les Maliens. Comment on vend notre ananas là? Ça n'intéresse pas les Maliens. Comment on vend notre banane plantain là? Ça n'intéresse pas. Ça n'intéresse pas le peuple malien. Ce que le peuple malien te pose comme question, Chogel Maïga, ce que le peuple malien te pose comme question, lors du Mali, là, la Russie, la paix, il y a combien aujourd'hui avec vous? Ce que le peuple malien veut savoir de vous, là, est-ce qu'ils peuvent compter sur vous pour la sécurité? Est-ce que vous serez capable d'améliorer les conditions de vie? Ce qui intéresse aujourd'hui le peuple malien qui a été anarché pendant des mois et des mois, aujourd'hui là, ils veulent vous voir maintenant, ils vous disent maintenant là, la CDAO va attaquer le Niger, oh. Nous sommes solidaires, oh. Nous sommes comme ça, oh. Nous sommes comme ça. Oh. Quand des pauvres se mettent ensemble, quand des vauriens se mettent ensemble, ça donne vaurien au carré. Les oiseaux, c'est les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. C'est tout à fait normal. Quand vous regardez dans votre alliance là aujourd'hui, vous êtes des pays sous-développés. Vous qui êtes dans l'alliance là aujourd'hui, il n'y a pas un pays dans cette alliance dont vous parlez qui est développé que le Ghana, alors que le Ghana est dans la CEDEAO. Qui est développé que la Côte d'Ivoire, alors que la Côte d'Ivoire est dans la CEDEAO. Qui est développé que le Nigeria, alors que le Nigeria est dans la CEDEAO. Donc c'est les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Vous, en 2023, vous êtes dans la révolution. Les Sénégalais sont dans l'évolution. Les Ivoiriens sont dans l'évolution. Les Ghanéens sont dans l'évolution. En 2023, vous êtes dans les histoires de coups d'État. Mais ce qui vous intéresse, c'est de toujours dire, il a violé la Constitution, il a violé la Constitution. Mais il y a un problème. Ouattara n'est pas le président du Mali. Le président Ouattara, il n'est pas le président du Mali. Donc, il n'a pas violé la Constitution du Mali. Vous avez quel problème? Est-ce que c'est la Constitution du Mali qui l'a violée? Est-ce que les ministres qui sont nommés au Mali, là, c'est Ouattara qui les a nommés? Est-ce que les DG des sociétés au Mali, là, c'est Ouattara qui les a nommés? Ce n'est pas le président Ouattara qui les a nommés. Quand vous êtes parti la dernière fois en Russie, là, quand vous êtes allé parler, là, vous n'avez pas dit à Poutine que c'est le président Ouattara qui vous a envoyé. Vous avez parlé au nom du Mali. Donc que Ouattara viole la constitution de la Côte d'Ivoire ou n'a pas violé la constitution de la Côte d'Ivoire, où est-vous votre problème? Ce que le peuple vous demande là, quand est-ce que vous serez capable de leur donner la sécurité? Quand est-ce que vous allez les enlever au milieu des ordures de Bamako? Oui, oui. Parce que la capitale des ordures, la capitale des ordures, dans la CEDEAO aujourd'hui là, c'est Bamako. La capitale des ordures, aujourd'hui, dans la CEDEAO, dans la zone CEDEAO, ce n'est pas une autre capitale autre que Bamako. Même odeur des ordures de Bamako, là, ça arrive au palais de Koulouba. Ce que aujourd'hui, Chogel Maïga, tes citoyens te demandent, beaucoup de Maliens aujourd'hui, des centaines de Maliens risquent aujourd'hui de perdre leur boulot en France. Des centaines de Maliens risquent de perdre leur boulot en France. Ces Maliens-là aujourd'hui te demandent de négocier. Que ça ne sert à rien de taper votre poitrine. Rose Claire, salut à toi depuis ta position. Que ça ne sert à rien de taper ta poitrine. Parce que vous n'avez rien. Ce
C'est de ça qu'il s'agit. On vous demande de réfléchir pour aller loin. Si la Côte d'Ivoire devait sortir, Rose Claire, j'attends son prochain commentaire, je ne vois pas là. Hein? C'est vous qui allez venir parler devant les gens. Comment un État qui parle de révolution, vous vous déplacez pour aller au Nigeria, en Afrique seulement. Vous n'avez pas l'argent pour payer la chambre d'hôtel de vos joueurs. Des gens qui ont quitté le Mali pour aller représenter le Mali. Vous n'êtes pas capable. Vous n'êtes pas capable. Vous n'êtes même pas capable de payer la chambre. Chers frères et sœurs ivoiriens, ah, il va falloir que la Coupe d'Afrique, là, en Côte d'Ivoire, là, c'est moi qui vais vous dire, hein, asseyez-vous, vous allez voir, si on ne fait pas attention, les joueurs de l'équipe du Mali, là, ils vont venir en quart. Asseyez-vous, vous allez voir. Les joueurs du Mali, là, ils vont venir en quart. Je ne vois même pas ces commentaires. Hein? Les joueurs du Mali risquent de venir en Côte d'Ivoire dans quart. Parce que au Nigeria, là, si vous n'êtes pas capable, un pays qui n'est même pas capable de payer chambre d'hôtel pour des citoyens qui sont allés les représenter, vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? C'est vous qui vous asseyez dans poussière pour maudire les gens. Aujourd'hui, c'est le vendredi. Vous ne priez pas Dieu pour que Dieu protège votre pays. Vous ne priez pas Dieu pour que vous quittiez dans la misère dans laquelle vous êtes. Vous ne priez pas Dieu afin que vous, Dieu vous donne la possibilité que les 80% risquent réussissent à manger trois fois par jour. Mais vous, vous vous asseyez pour maudire quelqu'un. Quelqu'un qui est mieux que vous. Quelqu'un, d'autres ce qui gagne en un seul jour, sinon en une heure de temps. Les gens qui étaient assis dans la mosquée en train de nous d'inciter le président Ouattara là, ce que le président Ouattara gagne en une minute, sinon en une seconde dans sa vie, il y a des gens qui étaient assis là-bas. Ce que le président Ouattara gagne en une seconde peut nourrir leur famille pendant 100 ans. Oui. Ceux qui étaient assis en train de maudire le président Ouattara là, j'ai dit, parmi vous là, il y a des familles, il y a des vieux qui étaient assis là-bas. Ce que le président Ouattara gagne en une seconde peut nourrir leur famille pendant 100 ans. Oui, ça dit que ce que le président Ouattara gagne en une seconde là, s'il a pris pour les donner, en une seconde, ça va nourrir, ça va lui-même le nourrir. Lui va partir, ses enfants, ça va nourrir ses enfants, ses petits-enfants, ça va les nourrir, ses arrière-petits-enfants vont manger et puis ils ne vont pas finir. Le reste, là, ils vont prendre ça pour faire sacrifice. Oui, il n'y a pas de débat dedans. C'est vous qui allez vous asseoir pour dire que vous allez maudire les gens. C'est vous qui allez vous asseoir pour dire que vous allez maudire les gens. Pendant que vous êtes en train de maudire, en ce même moment, votre fille, Mariamba, les Ivoiriens sont en train de la traiter comme une sœur. Les Ivoiriens sont en train de tout lui donner. Mais les malédictions que vous avez faites là, de vous en moi, ça retourne contre qui? Ça retourne contre vous-même. Pendant que vous êtes assis en train d'insulter, les Ivoiriens sont en train de valoriser une fille qui était au Burkina, ignorée dans la brousse, pendant qu'elle a fait une vidéo, pendant un an qui était sur les réseaux sociaux. C'est les Ivoiriens qui sont allés la faire sortir. Même ce que les Burkinabés n'ont pas pu lui donner à Ouagadougou, là, c'est ce que les Ivoiriens lui ont donné. Dans tout son séjour, Aïcha Tremblay, hein, tout ce que les gens ont regroupé pour donner à Aïcha Tremblay au Burkina, là, ça n'a pas, c'est pas arrivé à 500 000 francs. Mais Makoso Solomon, lui seul, a donné 500 000 francs. Lui seul a donné 500 000 francs. Un pays comme ça, on peut maudire ça.
Un pays comme ça, là, vous pouvez maudire ça et puis votre malédiction, là, ça va attraper. Mais Dieu continuera même de mettre vos enfants dans la misère, vous-même dans la misère. Salam alaykoum à toi, ma très chère grande soeur. Ma siami de Rasouba, depuis ta position. Hein? Vous êtes incapable de libérer votre pays. Incapable de libérer votre pays. Coco, coco, salut à toi. Madouma, salut à toi. Incapable de libérer votre pays. Incapable de combattre les djihadistes. Écoutez bien. Chogel Maïga. Non, ce n'est pas possible. Ça dit que quand Dieu a tracé ton destin, il a tracé ton destin. Sinon, wallahi billahi tanlahi. Il y a des hommes politiques au Mali. Moi, le Zulu de Bogota, on les prend, on les met dans une chambre et puis je les enseigne ce qu'on appelle la politique. Chogel Maïga fait une sortie. Et regardez comment il réfléchit. Il fait une sortie où il veut s'attaquer à Macky Sall. Et puis il dit que Macky Sall a organisé un truc en 2018 et que Macky Sall a dit aux Maliens, comment se fait-il que vous avez 15 000 soldats et vous n'êtes pas capable de repousser les rebelles? Vous n'êtes pas capable de repousser les djihadistes. Ça veut dire Macky Sall, ce que Macky Sall est en train de te dire là, c'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Macky Sall est en train de te dire, comment se fait-il que vous avez 15 000 soldats et que vous n'êtes pas capable de repousser les djihadistes? Vous demandez au Sénégal de venir vous aider. Vous demandez à la Côte d'Ivoire de venir vous aider. Vous demandez à la France de venir vous aider. Vous demandez aux États-Unis. Vous demandez à l'ONU de venir vous aider. Il dit maintenant qu'en 2023, quand eux ont dit qu'ils ne veulent plus de la France, ils ne veulent plus de la MINUSMA, ils ne veulent plus de l'ONU, que Macky Sall dit. Regardez comment il n'est pas intelligent. Regardez comment il n'est pas intelligent. Il dit que quand eux, maintenant, en 2023, ils ont dit que les Français n'ont qu'à partir, tout le monde n'a qu'à partir, Macky Sall dit que pourquoi, si tous ceux-là s'en vont, comment le Mali va combattre les djihadistes? Mais Chogel Maïga, mais est-ce que tu réfléchis? Tu voulais humilier Macky Sall, mais bien au contraire, tu ne l'as pas humilié. Tu lui as donné encore raison. Parce que pourquoi Macky Sall te dit ça? Macky Sall te dit, vous avez demandé il y a quelques années de cela, vous avez demandé que la France vienne vous aider. Vous avez demandé que les États-Unis viennent, les Anglais viennent. Les soldats ivoiriens sont venus, les Sénégalais sont venus, les Togolais sont venus, les Nigériens sont venus. Pendant des années et des années, ils sont venus vous donner un coup de main. Ils se sont mis dans une position de sorte que, c'est-à-dire, eux ont protégé un côté, de sorte que le côté qui n'est pas protégé là, puisque vous, vous êtes malien, vous connaissez mieux le territoire malien pour aller sur le terrain. Vous n'avez pas pu faire. Ça dit que malgré que tous ceux-là sont venus vous donner coup de main, vous dites que vous êtes encore incapables. Donc maintenant, Macky Sall te pose la question de savoir. Si tout cela y est, toi-même tu acceptes qu'ils viennent. Et puis aujourd'hui tu dis qu'ils n'ont pas qu'à partir. Alors que tu considères que la sécurité dans ton pays n'est pas garantie. C'est normal aujourd'hui que Macky Sall retourne pour te poser la question de savoir. Mais hier, moi je t'ai dit la même chose. Pourquoi en ce moment-là? Aujourd'hui, chef Chogel Maïga, ce que tu dis là, hier là, quand Macky Sall a dit ça là, tu as dit, toi-même tu as bien dit, tu dis que personne n'a répondu à Macky Sall. C'est là que tu devais répondre à Macky Sall. C'est là que tu devais dire à Macky Sall que ce n'est pas nous, on a demandé aux soldats sénégalais de venir nous aider. On n'a pas demandé aux Nigériens de venir nous aider. On n'a pas demandé aux Ivoiriens de venir nous aider. On n'a pas demandé à la MINUSMA de venir nous aider. C'est eux-mêmes qui sont venus nous aider. C'est ce jour-là que tu devais dire ça à Macky Sall, mais tu ne lui as pas dit. C'est aujourd'hui que tu viens dire ça. Toi, Chogel Maïga, toi tu dis, toi, un homme politique, voilà quelqu'un qui a mangé dans tous les gouvernements maliens. C'est lui aujourd'hui qui vient s'asseoir et puis il dit que si le président qui est élu ne travaille pas bien, l'armée doit prendre ses responsabilités. Ah, Dieu merci. Et si l'armée qui arrive ne travaille pas bien, qui doit prendre ses responsabilités? Parce que tu dis que le président qui a été démocratiquement voté par le peuple malien, s'il travaille mal,
L'armée doit prendre ses responsabilités. Ok, on a compris. Donc, il y a une histoire de prendre des responsabilités. Et si maintenant, l'armée qui vient enlever le président démocratiquement élu, là, s'il travaille mal, comme Assimi Goïta aujourd'hui, après 2 ans, les Maliens se retrouvent encore dans la même situation que Ibeka. Les Maliens reconnaissent aujourd'hui que la sécurité n'est pas garantie. Les Maliens sont aujourd'hui pour pleurer. Les Maliens aujourd'hui sont bloqués à Bamako. Ça veut dire que quelque part, Assimi Goïta a échoué. Qui maintenant doit prendre ses responsabilités? Qui va prendre ses responsabilités? Parce que le peuple ne peut pas prendre ses responsabilités parce que là, il y a les Kalachnikovs qui sont la main de quelqu'un. D'après toi-même, tu dis, un président qui travaille bien, son armée ne peut pas se révolter contre lui. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Le premier exemple de ce pays-là, c'est le président Ouattara. Voilà pourquoi j'ai dit au peuple malien, mettez-vous une chose dans la tête. L'armée ivoirienne ne va jamais se révolter contre le président. Je vais vous dire quelque chose, hein. Allez-y sur Facebook actuellement. Chers Maliens, soi-disant panafricains, les révolutionnaires, nous sommes dans la révolution. Allez-y sur Facebook actuellement. Il y a une ville de la Côte d'Ivoire où on forme les gendarmes de Côte d'Ivoire, Torogwe. Actuellement, là, il y a la cérémonie de sortie de promotion de officiers et sous-officiers de la gendarmerie. Allez-y voir les tenues qu'ils ont portées. Allez-y voir les tenues qu'ils ont portées. C'est là que vous allez vous rendre compte que c'est les oiseaux du même plumage qui volent ensemble. Vous et nous, on n'est pas, on joue pas sur le même terrain. Oui. C'est parce qu'il y a un continent qui est créé qu'on appelle Afrique là. C'est après ça, même quand on joue Coupe d'Afrique là, vous vous trouvez devant nous. Sinon, de vous à moi, si on n'était pas dans le même continent, vous et nous, on ne peut pas jouer ballon ensemble. Depuis que Dieu a créé le Mali, le Mali n'a jamais battu la Côte d'Ivoire en matière de football. Même quand on avait seulement nos locaux, vous avez vos professionnels, on partait vous battre à Bamako. Je me rappelle encore très bien, une année, lors d'un match, Aboulaye Traoré Ben Badi, que son âme, que Dieu lui donne encore longue vie, il est là, Ben Badi. Ben Badi a remué le filet à Bamako. Les Maliens ont commencé à dire que non, que c'est un Traoré du Mali. C'est eux qui sont Traoré du Mali. Tout le monde est Traoré du Mali. Les gens marquent contre eux. Konoko Ben Badi est malien. Youssouf Fofana est en train de jouer. Konoko Youssouf Fofana est malien. Tous ceux qui étaient dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, les Koné Kloufié, les quoi, tout le monde, eux là, ils disent que non, tout le monde est malien. Tout le monde est malien. Le même Shogal Maïga, tellement il ne réfléchit pas, lui-même il dit que le parti du président Fefelu Soufet Boigny, le PDCI RDA, il dit que le RDA a été créé à Bamako. Ah, chers Maliens, vous avez compris? Le grand parti africain, là, le RDA, a été créé à Bamako. Vis-à-vis devant Modibo Keïta. Mais quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, quelques années plus tard, qu'est-ce que les Africains qui étaient dans la RDA, dans le RDA là, doivent retenir du Mali? La Côte d'Ivoire, où le RDA n'a pas été créé, ils n'ont pas tué leur président, ils n'ont pas fait coup d'État. Vous au Mali, où le RDA a été créé, c'est vous qui avez fait coup d'État dans votre pays. Venez expliquer le pourquoi. Hein? C'est vous qui allez venir vous asseoir devant les gens pour dire que vous allez nous parler. C'est vous qui allez venir vous asseoir devant les gens pour dire que vous allez maudire le président de quelqu'un. C'est vous qui avez 4 millions de votre population déclarée dans un pays. Et c'est vous qui vous asseyez pour maudire ce pays-là. C'est vous qui vous asseyez pour maudire ce pays. Mais aujourd'hui, là, beaucoup de Maliens ont compris aujourd'hui. Quand il y a eu le problème des 46 soldats, là, si cette histoire-là,
Au moment où, au moment où on était en train de parler de cette histoire, si des Maliens s'étaient levés pour maudire la Côte d'Ivoire, aucun Malien n'allait sortir pour parler. Mais aujourd'hui, beaucoup de Maliens, mais à cause de la honte, ils ne peuvent pas sortir pour parler. Wallahi billahi tala, je sais qu'il y a beaucoup de Maliens aujourd'hui. Il y a d'autres aujourd'hui qui regrettent. Il y a d'autres aujourd'hui qui, dans leur cœur, maudissent Assimi Goïta. Dans leur cœur. Recueil blanc, salut à toi. Qui sont en train de te dire, Wallahi, Assimi Goïta, Alati Makonya. Ika ou nerea, kwa nwe chokroba dineni, ja ete fini. Oui, moi je suis convaincu qu'il y a beaucoup de Maliens qui disent ça dans leur maison. Oui, je le sais. Il y a beaucoup de Maliens qui disent ça dans leur maison. Ko wallahi billahi tanlai, Assimi Goïta, Alaki bot jamana nikuna, complètement. Je le sais, en âme et conscience, sinon chers frères et sœurs, est-ce que vous vous rappelez du temps des 46 soldats? Chers frères et sœurs, regardez aujourd'hui. Il y a combien de Maliens dans ce direct-là qui insultent la maman des Zoulous de Bogota? Il y a combien de Maliens ici qui soutiennent Assimi Goïta? Il n'y en a pas. Parce que dans la réalité, ils ont compris que on a combattu les gens là hier. On a dit qu'ils étaient en train de mentir. Mais la vérité, ils avaient raison. Nos autorités là sont des menteurs. Nos autorités là sont des hypocrites. Nos autorités là sont des menteurs. Voilà des gens. Vous avez un problème dans votre pays, chers frères et sœurs. Voilà des gens qui sont même incapables. Des gens qui sont même incapables de payer la chambre d'hôtel des joueurs de l'équipe nationale de basket. Et qui disent qu'ils vont faire guerre pour aider quelqu'un. Non, chers frères, de vous en moi. Voilà des gens. Ils sont incapables de payer la chambre d'hôtel. Des joueurs de l'équipe nationale du Mali. Mais ils ne sont pas allés au Japon. Hein. Ils ne sont pas allés en France. Ils n'ont pas allés aux États-Unis. Au Nigeria seulement. Au Nigeria seulement. Ils ne sont pas capables de payer les frais d'hôtel de leurs joueurs. Et c'est eux-là qui disent à la CEDEAO, on s'en va faire guerre. Mais si vous n'êtes même pas capable de payer la chambre d'hôtel de vos joueurs, ceux qui sont allés représenter le Mali, est-ce que vos soldats là, ils vont manger quoi? Je suis convaincu, l'heure là, à quelle heure nous sommes actuellement? Il est, excusez-moi, hein, dites-moi il est quelle heure? Il est 12h43 ici. Mais c'est moi qui vous dis, à l'heure où je suis en train de vous parler, il y a des soldats maliens qui sont au front. Qui sont au front. Je vous dis, il y a des soldats maliens actuellement, à l'heure où je vous parle, qui sont au front, mais qui ne savent même pas dans la réalité ce qu'ils vont manger à midi. Ils sont au front, mais à midi, là, ils ne savent même pas ce qu'ils vont manger. Il y a des soldats maliens qui sont au front depuis 2 mois, depuis 3 mois. Même 5 francs. Ils n'ont pas pour envoyer leurs femmes pour nourrir les enfants à la maison. Hein? Voilà des gens qui sont là. Tout ce qui les intéresse, c'est de parler de la mort des autres. Hein? Vous envoyez des soldats au front. Ils ont faim. Ils ont faim. Je vous dis, wallahi billahi tanlahi, il y a des soldats maliens qui sont au front actuellement. Même le portable qu'il a, il n'y a pas connexion dedans. Même le portable qu'il a, il n'y a pas connexion dedans. Il y a des soldats maliens qui sont au front. C'est des Maliens qui restent en France ici pour charger leur portable. C'est moi, je vous dis ça. Je dis, il y a des soldats maliens qui sont au front. Eux, ils sont au front. Ils sont en train de protéger le Mali. Même simple unité dans son portable, il n'y en a pas. Il a oublié d'appeler son frère en France ici pour charger son portable. Il a oublié d'appeler son frère en France ici pour charger son portable. Et puis le soir, là, le même frère, là, son cousin va s'asseoir pour insulter la France. Mais mon frère, ce que tu ne sais pas, ton frère militaire qui est au front, qui t'a appelé là,
à Bamako là, l'argent, l'unité, les unités qu'il a utilisées pour t'appeler là, ton frère, ton cousin qui est en France là, c'est lui qui a chargé le portable. Et ça là, tu ne peux pas me dire le contraire. Et quand tu les parles, ça les fait mal. Non, ça ne doit pas vous faire mal. La révolution que vous voulez là, c'est comme ça la vraie révolution. La vraie révolution là, vous devez vous poser la question de savoir comment les Ivoiriens s'arrangent pour que ce que nous on mange au Mali là, les 90% de ce que nous on mange au Mali, les 70% de ce que nous on mange au Mali, comment ça vient de la Côte d'Ivoire? Et pourquoi nous on n'est pas capable d'utiliser nos 10 doigts pour cultiver la banane chez nous, le manioc chez nous, l'igname chez nous? Pourquoi vous ne vous posez pas cette question? Pourquoi vous ne vous posez pas la question de savoir comment les Ivoiriens se sont arrangés pour avoir toutes ces matières-là sur leur territoire? Ils ont banane, ils ont ananas, ils ont anacate, ils ont café, ils ont cacao, ils ont le pétrole, ils ont le gaz. Pour ne citer que ceux-là, on ne peut pas aller trop. Ça, on ne peut pas tout citer. On ne peut pas tout citer. On ne peut pas tout citer. Et c'est vous qui lancez un défi à la France. Ça dit que la politique aujourd'hui, c'est comme si c'est un jeu de dames. Quand vous êtes assis sur, et puis vous êtes en train de jouer aux dames, là. Quand l'autre pousse, chacun pousse un pion. Quand toi tu pousses, l'autre pousse. Quand l'autre pousse, l'autre pousse. Jusqu'à ce que maintenant on arrive sur le dernier pion. C'est ça aujourd'hui. C'est vous. Les Maliens ont tout transformé aujourd'hui. Hein. Les Maliens ont tout transformé aujourd'hui. Ils disent que c'est la France qui a commencé tout. Mais devant tout le monde ici, devant tout le monde, on a vu des jeunes Maliens qui sont allés s'attaquer à l'ambassade de la France, à Bamako. Mais les Maliens ne parlent pas de ça aujourd'hui. Wallahi billahi ta'ala. Les Maliens ne parlent pas de ça aujourd'hui. Tout ce que les Maliens disent, c'est la France qui a coupé. C'est la France qui a dit qu'ils ne vont plus nous aider. C'est vous qui avez été les premiers à chasser les Français chez vous. C'est vous qui avez demandé aux Français de rentrer chez eux. Mais il n'y a pas parlé dedans. Ils sont rentrés. Maintenant, si eux, ils disent que vos frères qui sont là-bas, là, ils ne doivent plus rentrer ici, là, pourquoi vous, ça vous fait mal aujourd'hui? Pourquoi vous ne demandez pas à votre sauveur, là, de venir vous aider? Pourquoi vous ne demandez pas à votre sauveur d'aller prendre aujourd'hui les ressortissants maliens? Pourquoi vous ne lui demandez pas? Vous avez un sauveur, non? Vous avez le démocrate, non? C'est vous qui savez faire union, non? Hein? C'est vous qui savez parler, non? C'est vous qui avez bouche, non? C'est vous qui avez bouche, non? Quand les djihadistes ont commencé à attaquer le Mali, wallahi billahi ta'ala, ils n'ont pas mis une semaine, ils étaient à quelques kilomètres de Bamako. Même pas une semaine, ils étaient à quelques kilomètres de Bamako. C'est là que vous avez appelé Hollande ici pour venir vous donner un coup de main. Vous allez nous dire quoi? Vous allez nous dire quoi? C'est vous qui êtes toujours dans les histoires de victimisation. C'est à vous toujours que les autres ont fait du mal. C'est vous toujours que les autres ont volé. Mais ce que vous oubliez de dire au peuple malien, cher peuple malien, l'État malien, le Mali c'est un grand pays, mais le Mali est un petit État. Le Mali n'a rien, c'est moi je vous dis. On vous blague pour dire on a l'or, on a ça, c'est zéro. Même si vous-même vous demandez de faire sortir votre or là, pour aller vendre là, il y a au moins, s'il y a 1000 Maliens qui s'en vont pour aller travailler, pour enlever la terre là, pour faire sortir l'or là, il y a au moins 500 qui vont mourir là-bas. Vous allez venir nous parler de quoi? Comment le prix de l'or, on doit faire ça à Bamako. Mais si les gens ne viennent pas payer votre or, vous allez manger l'or là. Manger votre or là, manger.
Votre or là, manger. Toi, on t'a donné l'or, mais tu n'as pas attiqué pour manger. Tu vas faire comment? Attiqué là, tu es obligé d'aller payer ça ailleurs. Tu n'as pas la banane, alors que les citoyens maliens aiment manger à locaux, mais vous n'avez pas de banane, vous êtes obligé d'aller payer la banane ailleurs. Conon, le prix du cacao ne doit plus être jugé en France, ça doit être jugé à Abidjan. Toi, Chedel Maïga, toi, tu es qui pour nous dire? Toi, un voleur. Toi, tu es qui pour nous dire ça? Toi, un voleur. Toi qui as volé le peuple malien. C'est comme l'autre plaisantin qui était aux États-Unis, là. Cheikh Keïta. Voilà quelqu'un qui s'assoit au Mali, et puis il y a des Maliens qui croient ça. Que le palais présidentiel de Côte d'Ivoire n'est pas pour la Côte d'Ivoire. Le palais présidentiel de la Côte d'Ivoire n'est pas pour la Côte d'Ivoire, que nous on loue ça. Mais Cheikh Keïta, est-ce que tu peux prendre le courage d'expliquer aux Maliens pourquoi, comment se fait-il que toi en tant qu'un Malien, toi en tant qu'un digne fils malien, pourquoi ton père et moi en Côte d'Ivoire? Il faut expliquer aux Maliens. Il faut expliquer aux Maliens pourquoi ton père est mort en Côte d'Ivoire. Il faut expliquer aux Maliens comment se fait-il que ton père s'est retrouvé en Côte d'Ivoire. Il faut expliquer aux Maliens. Parce que si hier, on a condamné Modibo Keïta, il est resté en prison, il est mort. Ça veut dire que les collaborateurs, aujourd'hui, là, quand on fait le coup d'État, là, on enlève le président et puis on arrête ses proches. Mais toi, Cheikh Keïta, ton père était un collaborateur, un proche de Cheikh Modibo Keïta. Quand ils ont arrêté Modibo Keïta jusqu'à ce qu'il soit tué, là, ton père a ramassé les milliards, les crédits, les milliards que la France avait donné, les milliards que les États-Unis avaient donné. Pour aider les Maliens, là, ton père a volé ça, il est venu s'asseoir à Niama. Cheikh Modibo Keïta, et je dis Cheikh Modibo Keïta, Cheikh Keïta, est-ce que tu peux avoir le courage de dire aux Maliens que dans les années 68, ton père a payé une nouvelle voiture à Abidjan, une nouvelle voiture, et qu'il a déposé dans votre cour, les gens venaient déposer, c'est-à-dire, c'est quand ta maman finissait de laver les habits, là, elle venait déposer ça sur une nouvelle voiture. Est-ce que tu peux avoir le courage de dire ça? Est-ce que tu peux avoir le courage de dire que quand ton père arrivait à Niama, là, il se vantait dans la vie d'Niama pour dire qu'il est un homme riche? Un voleur qui est venu s'asseoir à Niama et qui continue de dire aux gens, il se moquait des gens. Le père de Cheikh Amadou et Cheikh Keïta, là, il se moquait des gens. Ça dit ceux qui n'avaient pas l'argent à Niama, là, il se moquait d'eux. Il se moquait d'eux à Niama là-bas. Mais la finalité de son père l'a posé lui la question. Parce que jusqu'après du contraire, tu n'as pas encore expliqué l'histoire de ton père aux Maliens. Il faut expliquer l'histoire de ton père aux Maliens. Explique aux Maliens comment se fait-il que ton père n'était pas un ambassadeur. Ton père n'était pas un ambassadeur en Côte d'Ivoire. Comment se fait-il que toi tu es né en Côte d'Ivoire, tu es né à Niama? Il faut expliquer aux Maliens. Prends le courage d'expliquer. Prends ton courage et explique aux Maliens. Comment se fait-il que ton père s'est retrouvé en Côte d'Ivoire? Comment se fait-il que toi et certains de tes grands frères sont nés en Côte d'Ivoire? Il faut expliquer. Explique, malgré tout l'argent que ton père a volé, pourquoi vous n'avez plus de maison à Niama? Parce que tout l'argent que ton père avait volé, il fut l'une des personnes qui a témoigné contre Modibo Keïta. Il fut l'une des personnes qui a témoigné contre Modibo Keïta. Explique un peu l'histoire de ton père. Explique la fin de l'histoire de ton père. Il est rentré à Niama comme un roi. Mais explique aux gens. Comment il a fini? Ton père a quitté le Mali. Il est rentré à Niama comme un roi. Son règne a duré pendant des années. Mais explique aux gens comment son règne est fini. Explique l'apogée de ton père aux gens pour que les gens se rendent compte. Pour que les gens se rendent compte à qui ils ont affaire. Explique aux gens comment se fait-il que tu étais aux États-Unis. Comment se fait-il aujourd'hui que tu t'es retrouvé au Mali. Explique aux gens.
Comment se fait-il? Pourquoi tu as été rapatrié des États-Unis? À moi, Zulu de Bogota, quand je t'ai attaqué pour la première fois ici, tu m'as dit que toi, tu roules dans une voiture aux États-Unis. Que un pneu seulement de ta voiture peut payer mon salaire par mois, j'ai compris. Il n'y a pas de problème. Toi qui avais une voiture, dont un seul pneu pouvait payer le salaire de Zulu de Bogota, comment se fait-il que tu as été rapatrié des États-Unis? Comment se fait-il que tu as été rapatrié des États-Unis? Tuyo Adama, bon vendredi à toi, mon très cher frère. Comment se fait-il que toi, tu as été rapatrié des États-Unis? Il faut expliquer aux gens. Je vais vous dire et je vous répète, chers frères et sœurs, ce n'est que le début du commencement. Mais asseyez-vous. Je n'ai pas encore les informations complètes. Mais il paraît que l'imam qui a maudit le président Ouattara, là, on y s'est couché. Ce n'est que le début du commencement. En tout cas, réveillez-vous. Hein. Commencez à demander pardon au président Ouattara. Parce que je vais vous dire, votre Assimi Goïta que vous parlez là, nous on n'est pas pressé. Hein. Lui-même il a fait coup d'état contre des militaires, non? Ce n'est pas un problème. Vous aimez coup d'état, vous êtes des révolutionnaires. Mais soyez sereins. Demandez, Metoba, salut à toi depuis ta position. C'est de ça qu'il s'agit. Des pervers. Des gens qui n'ont rien. Des gens qui souffrent. Des gens qui ont faim. C'est eux qui vont se retrouver dans une mosquée pour dire qu'ils maudisent quelqu'un que Dieu a élevé. Quelqu'un que Dieu a élevé. Des gens vont s'asseoir à la mosquée pour dire qu'ils maudissent cette personne. Chers frères et sœurs, aujourd'hui c'est le vendredi. Après le boulot, j'ai voulu m'entretenir avec vous. Ce soir, je vais revenir parce que le vrai comploteur, le vrai organisateur du coup d'État du Niger est sorti. On va revenir sur le dossier de l'homme. On va revenir sur ces coups de fil qu'il a fait avant le coup d'État. Mais je vais te dire quelque chose. Mamadi Youssoufou, ne te presse pas. Tout le coup de fil que tu as fait avant le coup d'État et après le coup d'État, là, tout est enregistré. Mais on n'est pas pressé. Le moment venu, tu seras mis devant les faits. L'histoire va te juger. Chers frères et sœurs, faites vos problèmes chez vous. Mais si vous vous attaquez au Nangama, le président Ado, Wallahi Bilay, ça sera votre terminus. Si les Maliens sont forts, déjà là, en 2024, là, on organise la Coupe d'Afrique chez nous. En 2024, là, on organise la Coupe d'Afrique chez nous. Si vous êtes vraiment des vrais révolutionnaires, demandez à votre président là, qui ne laisse pas les joueurs maliens venir à la Coupe d'Afrique. Demandez à votre président là, qui demande, il n'a qu'à dire que vos joueurs ne viennent pas en Côte d'Ivoire. Espèce d'ingrat que vous êtes. Des affamés, des vauriens. Des gens qui ne sont même pas capables de nourrir trois fois leur famille par jour. C'est eux qui s'asseyent quelque part pour maudire. Ta pète même qui est dans les mains, c'est troué. Voilà des gens, même quand tu dois les saluer, si tu ne fais pas attention, quand tu as fini de les saluer, tellement les doigts, les mains là sont ruées, ça risque de te blesser. C'est eux qui s'asseyent dans la mosquée pour dire qu'ils sont en train de maudire des gens. Des gens qui peuvent faire des jours et des jours sans se laver. C'est eux qui viennent s'asseoir pour dire qu'ils maudissent les gens. La moindre des choses, quand tu dois te présenter devant Dieu pour demander quoi que ce soit, il faut être d'abord propre. Mais vous, vous êtes sale. Vous, vous êtes sale. Et c'est vous qui vous mettez devant Dieu. Prenez d'abord la peine. Prenez d'abord la peine d'être propre, de vous laver. D'être parfumé quand vous vous mettez devant Dieu. Nous aujourd'hui en Côte d'Ivoire, quand les gens vont aller à la mosquée de vendredi aujourd'hui là, ils seront parfumés. Donc même si la mosquée est pleine, il n'y a pas odeur. Mais il y a des mosquées au Mali là.
Quand les gens sont dedans pour prier, ils sont obligés d'ouvrir toutes les fenêtres. Parce qu'il y a d'autres parmi eux qui sont allés maudire le président Ouattara. Ça fait une semaine, il ne s'est pas lavé. Ça fait une semaine, il ne s'est pas lavé. Ils l'ont obligé de ne pas parler à la mosquée. Parce que ses voisins d'à côté vont lire l'heure. Ils l'ont obligé de ne pas lever ses épaules. Tout est collé sur lui. Et c'est vous qui vous asseyez pour dire que vous allez maudire président de quelqu'un. Vous, vos bénédictions n'ont même pas pu sauver vos enfants. Vous n'avez même pas été capable de prier Dieu pour qu'il vous donne la possibilité de nourrir bien vos enfants, de bien éduquer vos enfants. Et c'est vous qui vous asseyez pour maudire quelqu'un. Chers frères et sœurs, c'était votre frère, le Zoulou de Bogota. Bon vendredi à chacun d'entre vous, que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Dieu protège l'Afrique, mais la vraie Afrique, pas cette Afrique-là. L'Afrique des plaisantins, l'Afrique des menteurs, l'Afrique des hypocrites, l'Afrique des affamés, l'Afrique des paresseux, l'Afrique des gens qui ne veulent pas travailler, l'Afrique des ingrats, pas cette Afrique-là, mais l'Afrique reconnaissante, la vraie Afrique. Vive la CEDEAO! Vive la CEDEAO! Bon vendredi à chacun d'entre vous, que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège.